Fremsem, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin qui c'est lundi 1er juillet pour nous capables ensemble étudier le son école sabbat. Avant de commencer, nous inviter pour capable baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu, papa nous qui dans celle-là, merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci pour une autre journée qu'on accorde nous. Alors que nous pral étudier parole nous, pardonner péché nous, imprégner nous de cet esprit au qu'on ça va comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on voulait apprendre. Avec nous diriger nous, nous pas monde pas dit mais c'est une prière au Seigneur notre petit tout Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore frère Maxime. Aujourd'hui c'est lundi 1er juillet, nous voyons que son nouveau mois qui commençait. Nous avons étudié première leçon 1 qui est pour titre au commencement de l'évangile et journée jeudi à lundi 1er juillet à titre censé une seconde chance. Hier nous t'avons un missionnaire raté, nous avons que Jean que et Jean-Marc lui-même il était raté mission parce que il était décidé retourner à Jérusalem, il pas continuer avec Paul et Barnabas. Mais nous voyons que journée jeudi nous parlons que les jeunes ont seconde chance. Eh bien frère Maxime, il m'a demandé nous pour lire dans acte 15 verset 36 à 39. Question posée c'est pour qui ça Paul était rejeté Jean-Marc et pour qui ça Barnabas si même il était pas une seconde chance. Eh bien frère Maxime, nous invitons à lire ça acte 15 verset 36 à 39 et on est capable voir histoire là. Côté que et gen jou qui t'est passé, eh bien Paul te dit à Barnabas en nous retourner pour nous aller visiter tout frère qui t'est dans ville côté que t'est annoncé parole bon Dieu pour t'être capable voir dans qui état que yo yé. Mais Barnabas te voulait mener Jean ensemble avec lui qui aurait les Marc, donc Jean-Marc que nous t'ai hier là. Mais nous voit que dans verset 38 ans Paul t'est jugé que n'est pas convenable pour nous prendre à pour lui et pour voyager ou bien pour prendre ensemble avec yo Marc qui était déjà quitté yo qui était abandonné yo. OK, eh bien frère Maxime, raison qui fait que Paul était et pas d'accord pour jeune garçon hein, Jean-Marc il était accompagné c'est que Marc t'est quitté yo. OK, il pas continuer l'œuvre ensemble avec yo alors que yo était besoin. Eh bien, attitude Paul là, li compréhensible, mais li ontijan brutal. Eh bien, la vie missionnaire en particulier, son vie dans le monde antique, c'est une vie qui était difficile. Nous capable li dans 2 Corinthiens 11 verset 23 à 28, parce que Paul te dépend de collègues missionnaires pour aider li pour porter fardeau et fardeau l'œuvre l'évangile. C'est ça qui fait que les on moun a prêché l'évangile ensemble avec ou ou bien on moun la pour aider ou. Donc Jean-Marc son jeune qu'il était il était là pour t'aider Paul avec Barnabas. Mais les que et Barnabas et Jean-Marc décidé li pas continuer li aller et bien ça il était porté atteinte à prédication et ouais tout et l'évangile c'est avec en pile et c'est de manière difficile t'a prêcher les monsieur à l'autre côté faut que c'est monde qui recevoir yo c'est yo pas de moyen vraiment donc c'est d'autres frères dans l'église disons dans ville que t'es allé qui pour recevoir yo donc ça nous est passé eh bien Paul pas décidé pour Jean-Marc faire chemin ensemble avec yo encore eh bien ça qui devine passer ou capable continuer li dans texte ça eh bien ça t'est venu arriver dans point côté que yo t'est venu séparé. Donc Paul avec Barnabas t'est venu séparé. Donc Barnabas pas d'accord avec le fait que Paul pas vle bay Jean-Marc yon l'autre chance. OK? Parce que Barnabas te dit que c'est vrai et il t'est abandonné nous mais son petit jeune ni Jean moun yon remen di jounen jodi an et il t'est wè gon potentiel dans Marc et il pas vle laisser jeune homme ça derrière lui-même, il t'est vle bay yon l'autre chance. Eh bien nous wè que t'es gon dispute, ça dit que t'es gon mésentente, un désaccord entre Paul et Barnabas et finalement Barnabas t'est accompagné et Marc t'est accompagné Barnabas et Paul lui-même il t'a choisi Silas pour accompagner. Donc deux messieurs t'ont fait route séparée. Eh bien
livre Atan li babay raison qui fait que Barnabas t'est choisi pour te mener Marc avec lui. Avec lui, bien entendu, faut nous rappeler tout que Barnabas c'est cousin Marc que lié. Mais et faut Maxime yo qui sont pensé, est-ce que et Paul t'es bien agi, l'elle t'a dit que le pape balon l'ont leur chance, est-ce que Barnabas t'est bien agi? Mais puis devant nous pas loin que action que Barnabas t'est posé à l'été pour tes fruits. Nous pas lire dans Colossiens 4 verset 10, 2 Timothée 4 verset 11, Philippiens 24 et 1 Pierre 5 verset 13, souligne dans texte frère Maxime, ou après que et Marc te réintégré et verset ça vous montrer que même Paul qui pat au départ pat d'accord pour te ballon l'autre chance, eh bien Paul là te rendu un bon témoignage de Marc. Par exemple, nous lisons et Colossiens 4 verset 10, il dit nous à Aristarque, mon compagnon de captivité vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Ça veut dire que Marc vient prendre dimension de l'évangile. Il tellement vient prendre dimension, eh bien Paul dit comme ça, si nous Marc, si Marc rivé bon côté nous, il dans le besoin recevoir. Ça veut dire Marc nous capable dire que il vient un prédicateur de l'évangile et Paul te dit à frère de Colossio, eh bien si Marc vient bon côté nous, accueillir parce que c'est une parmi nous, c'est un prédicateur, c'est un monde qui a défendre cause l'évangile. Donc faut marcher mieux ça montrer nous que et l'obayon moun yon l'autre chance li important. Faut marcher mieux. Bien entendu nous chaque qui là nous gain des comportements, gain monde qui plus dur. Mais faut marcher mieux apprendre pour nous bayon moun yon l'autre chance. Si on bat bay Marc yon l'autre chance, li peut-être pas t'a venir et présumé auteur, li pata kap vini auteur de yon l'évangile qui écrit dans la Bible qui parlait de Jésus. Donc c'est ton petit jeune litéye, l'esprit te manqué et comme te ka dit ça, et assidu sur la parole, mais le fait que Barnabas te bal yon chance, eh bien nous voyons que il te fait preuve, li frère Maxime yo. Yo dit nous que, et événement sa yo qui fait mention de yo dans et texte sa yo, yo passé dans environ dans les années 60 après Jésus-Christ, environ 15 à 20 ans après expérience qui t'est fait dans acte 15 là. Et bien frère Maxime yo dit nous pour finir penser à un moment côté que ou même ou bien yon zami nous t'est échoué et ou t'est gagné, yo t'est bon yon l'autre chance. Qui genre expérience ça, il t'est changé ou et ça t'est aidé ou. Qui genre ça t'est modifié ministère envers l'autre. Donc frère Maxime, apprendre bay yon lot chance. Apprendre bay yon moun yon lot opportunité parce que bon Dieu mande nous pour nous pardonner, bon Dieu mande nous pour nous comprendre les autres. Et bien c'est comme ça nous présenter le son matin, nous inviter pour baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu, papa nous qui dans cela, merci parce que mette fois ou ba nous une seconde chance. Mette fois Seigneur Dieu nous péché ou pardonner nous. Mette fois nous virer de bas ou Seigneur Dieu ou retourner accueillir nous à bras ouverts. Aidez-nous pour nous capable faire de même. Aidez-nous Seigneur Dieu pour ne pas jeter frère nous yo, mais pour nous toujours prêt pour nous accueillir à bras ouverts parce que c'est ça l'évangile l'a mandé. Fais-nous grâce, pardonnez péché nous. Bénis journée pour nous. Nous avons parti nous bien conseil au nom de Jésus. Amen. Merci encore une fois frère Maxime, nous invite pour partager le son ça de manière à ce que l'autre monde tout cap touché de message ça. C'était Frère Ismaël chéri. Que bon Dieu bénisse.